check it in the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Hey, yo les potes, c'est For You, et bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan, et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, Road to Dark Matter. Et oui, aujourd'hui, vous l'avez compris, on débloque les SMJ en Jams. Tu connais les bails, mais attention, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai un petit peu à te parler, toi, derrière ton écran. Donc, si toi, tu es curieux et que tu te demandes encore si ça sert à grand-chose de débloquer le Dark Matter, si c'est long, si tu te poses des questions, si ça sert à rien, etc., et ben moi, je vais t'y répondre. Donc, si tu veux mes conseils, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc les gars, alors où je vous parle, j'ai bien avancé niveau Dark Matter, en tout cas niveau déblocage du diamant sur certaines catégories d'armes. Donc si tu veux suivre cette série, c'est tout simplement que tu veux voir déjà le camouflage diamant sur toutes les armes, et ça je vais vous le montrer à chaque fois, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais aussi je vais vous donner mon point de vue et mes conseils pour chaque catégorie d'armes et comment s'en sortir et comment y arriver facilement. Donc là les potes, on est au niveau des SMG, et les SMG vraiment, sans vous le cacher, pue la merde sur Call of Duty Black Ops 4, vraiment, on dirait carrément des pistolets à billes, j'ai l'impression de faire du airsoft à chaque partie. D'ailleurs là je suis en hardcore, c'était pour faire mes tire-têtes et mes défis, parce que vraiment en normal, c'est impossible carrément de tuer sur ce jeu, c'est vraiment, sur ce point de vue là, je ne comprends pas pourquoi ils ont autant baissé les SMG par rapport aux anciens Black Ops, c'est vraiment un truc de fou. Après ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas de hardcore en gameplay ou quoi, c'est vraiment juste pour faire mes défis, il n'y aura jamais de gameplay hardcore sur la chaîne, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc oui, si tu veux faire tes SMG en diamant et que tu vas en mode normal, donc oui, il faudra avoir une très bonne co déjà pour mettre moins de balles, et surtout il faut avoir un très très bon shoot, sinon moi je te conseille d'aller en mode hardcore pour les SMG, vraiment c'est le meilleur des modes pour monter ses SMG. Après le reste non, aller en mode normal parce que personnellement le mode hardcore ne me plaît pas tant que ça sur ce Black Ops 4. Donc après les gars, pour vous donner mon point de vue au niveau des SMG, franchement pour moi la plus pétée ça serait la GKS, vraiment très 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 déçu de cette arme. Et après la SOG qui est pour moi hyper OP, vraiment au corps à corps, après de loin vraiment elle pue la merde, mais vraiment au corps à corps la SOG serait la meilleure. Donc voilà les potes, pour récapituler, si tu veux faire tes SMG en jams, si t'as une bonne co, tu peux aller en normal, si t'as un bon shoot, tu peux aller en normal. Moi personnellement, j'ai le shoot, mais par contre j'ai pas la connexion, j'ai fait mes SMG en hardcore, ça va beaucoup plus rapidement. Après même si t'as un bon shoot ou une bonne connexion, tu peux quand même aller en hardcore, ça va beaucoup plus rapidement pour les tire-têtes. Je te conseille de mettre un viseur laser aussi, ça met beaucoup plus de headshots, je sais pas pourquoi, mais bon tu vises un petit peu le haut du corps et ça met des headshots. Donc voilà, et ensuite... Je vous conseillerais les potes de commencer avec les SMG les plus pétés de Call of Duty Black Ops 4, c'est-à-dire la Cordite ou encore la GKS, vraiment c'est vraiment les SMG les plus pétés de ce Call of, vraiment c'est un truc de fou. Et après vous finissez avec les meilleurs pour vous, après je sais pas, pour moi ça serait peut-être la SOG, vraiment c'est avec la SOG que j'ai pris le plus de plaisir à jouer peut-être, parce qu'en corps à corps elle est vraiment cheatée, ou la Spitfire aussi au corps à corps, mais après de loin elle est un peu plus pourrie. Enfin bref voilà, comme ça vous finissez sur une bonne note avec les SMG, et au moins vous, pour vous ça ira plus vite. Donc voilà mon pote, j'espère que toi derrière ton écran ça t'aura aidé si tu fais ton Dark Matter, eh ben bonne chance. J'espère que tu suivras mes conseils, si tes conseils seront bons, dis-le moi en commentaire, ça me ferait hyper plaisir d'entendre vos retours. Donc voilà les potes, on atteint un petit objectif des 100 likes, ça ferait hyper plaisir, c'est la récompense. Moi je vous fais la série du Dark Matter, je vais avoir le Dark Matter, bon là j'ai beaucoup plus avancé à l'heure que vous regardez cette vidéo, sachez-le. Enfin voilà les potes, je vais essayer de vous bombarder les conseils etc. pour avoir votre Dark Matter le plus facilement et au mieux possible. Donc voilà, le petit like, ça fait plaisir, vraiment, c'est la récompense. Donc moi, je vais vous laisser ici, les potes. C'était For You, allez, peace.